pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort. Pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors. Je me vide la tête là où les codes tuent. Faut que je m'exerce. Un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un peu des casques, des protections. Je voudrais discuter un petit peu avec vous de quand est-ce que ça a un intérêt de porter un casque à l'entraînement ou pas. En fait, ce qui est absolument nécessaire, c'est de porter un casque quand vous commencez la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas arriver le jour de votre combat et mettre un casque pour la première fois sur votre tête pour le combat. Parce qu'en fait, un casque, ça va beaucoup changer la physionomie de votre boxe dans la mesure où ça va changer la vision. Vous allez moins bien voir avec le casque qui va vraiment rétrécir votre champ de vision, donc ça va vous gêner. Ensuite, ça va également modifier votre sensation d'être en garde. C'est-à-dire que souvent, quand on a un casque, on a la garde qui descend parce que le contact avec le visage va vous laisser croire que vous êtes en garde alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est pour pouvoir faire des combats où vous allez porter un casque pendant vos premiers combats, ça nécessite de l'adaptation et ça va nécessiter de porter des casques à l'entraînement. Donc là, il y a vraiment un intérêt, c'est au minimum un mois avant votre combat, votre premier combat, vous devez porter un casque pour vous y faire, tout simplement. Vous allez voir que le casque, ça va aussi vous faire un peu surchauffer dans la mesure où on évacue une grosse partie de la température corporelle par la tête. Le fait de mettre un casque, ça va vous donner un peu la sensation d'étouffer au début, donc ça nécessite encore une fois de s'habituer à ça. Voilà. Un autre aspect qui peut être intéressant pour porter un casque, ça va tout simplement de favoriser le travail en coup de coude. Parce que quand vous portez des coudières comme les miennes là, c'est bien, ça aide un petit peu à pouvoir travailler les coudes, mais ça va pas empêcher de s'ouvrir éventuellement les arcades, ni de se casser le nez parce que c'est assez fin, c'est pas des protections optimales. Et donc le fait de mettre un casque, ça va vous permettre de travailler les coudes plus en confiance et d'une manière plus efficace. Donc de mon point de vue, vraiment l'intérêt de porter un casque, c'est en phase de préparation de combat pour vous habituer à porter le casque en question parce que vous allez le porter pendant le combat, vous habituer à respirer avec, vous habituer à votre champ de vision avec, vous habituer à votre garde avec, c'est vraiment important. Et l'autre intérêt, c'est si vous voulez travailler spécifiquement les coudes, de rajouter ça en plus des coudières pour éviter vraiment les accidents qui peuvent sinon malheureusement arriver assez facilement. Ensuite, pourquoi est-ce que je vous conseillerais pas d'utiliser un casque tout le temps? Parce que tout simplement, un casque en fait, c'est pas fait pour spécialement amortir les chocs et pour vous protéger. Dans la mesure en fait où quand vous allez prendre le coup, c'est quand même votre nuque qui va l'amortir et votre cerveau qui va baloter à l'intérieur du casque. Si je vous dis ça, c'est que par exemple, à titre d'exemple, aux Jeux Olympiques, en boxe anglaise, ils portaient des casques pendant les combats. Et ils le font plus maintenant parce qu'il y a des études qui ont été menées et qui ont démontré que finalement c'était contre-productif parce que au lieu de se prendre un choc qui peut éventuellement couper ou mettre KO, mettre fin au combat, et le casque va permettre d'absorber de plus en plus de chocs. On va en plus prendre plus de risques inconsidérés parce qu'on a le sentiment d'être en garde alors que ça ne sera pas forcément le cas. Et surtout, la tête devient une cible plus grosse puisque ça grossit la cible et donc vous risquez de ramasser tout simplement plus de coups par rapport à quand vous ne portez pas de casque. Donc c'est tout ça qui a amené en fait la direction des Jeux Olympiques à supprimer le casque dans le cadre des combats de boxe anglaise aux Jeux Olympiques. Donc je dirais que c'est un peu la même chose à l'entraînement. Si vous voulez éviter de vous couper, ça a un intérêt. Si vous voulez préparer un combat, ça a un intérêt. Après, mettre un casque pour mettre un casque, ça vous empêchera pas de devenir complètement neuneux parce que vous avez pris trop de chocs à la tête. C'est ça que je veux dire à mon point. Donc c'est pas le fait de porter un casque qui va vous empêcher de prendre des KO et c'est pas le fait de porter un casque qui va vous empêcher de prendre des gros chocs à la tête qui pourront sur le long terme créer des dommages et poser certains problèmes. Voilà, donc pour en revenir au casque, le modèle là que je suis en train de vous montrer, je vais l'essayer, je vais faire un round avec. Ça fait vraiment 10 ans que j'ai pas porté de casque parce que j'en mets jamais à l'entraînement. Mais là c'est l'occasion, on va pouvoir montrer le travail de coude avec un casque et le travail en général avec un casque. Ce casque là, il est en vente sur Muay Thai Mad Gear. Il est en vente aux alentours de 75€ sur le site. La dernière vidéo qu'on a faite, je vous ai parlé d'un code promo LCM5 pour avoir 5%. On a décidé d'aller un petit peu plus loin dans le partenariat et ça c'est super cool. Et donc je vous propose un nouveau code promo LCM10 qui vous permettra d'avoir 10% sur vos commandes. Je rappelle que moi je touche rien sur vos commandes, c'est vraiment juste, je pense qu'il y a un intérêt d'avoir un site qui propose des prix raisonnables. Je mets en avant pour l'instant ce site-là, il me propose du matériel pour faire des vidéos, donc c'est gagnant-gagnant, tout le monde s'y retrouve. Voilà, allez, je vous propose des petits extraits de sparring avec le casque. Parti, 3 minutes.
Alors on se retrouve comme prévu pour parler un petit peu plus précisément du casque. Donc c'est le HG13 de Fairtex. Donc c'est un casque qui est complètement en cuir, c'est vraiment de la bonne qualité. Et donc ce que j'aime bien en fait dans ce casque là, c'est que c'est un casque qui s'enfile par l'arrière et pas tout simplement comme ça verticalement. Souvent une sangle qui vient se placer sous le menton, on enfile le casque et la sangle vient ici. Et du coup souvent le casque, surtout en combat ou dès qu'il y a un peu de corps à corps ou que ça bouge trop, le casque il a tendance à pivoter et à sortir assez facilement. Et donc ça c'est un petit peu chiant. Et donc le scratch est vraiment de bonne qualité. Hein. C'est souvent les twins où les scratchs ont tendance à se barrer un peu facilement, je trouvais, sur des gants ou des protèges tibia. Là, le casque, sur le scratch qui maintient le casque est vraiment, vraiment bien fort. Donc on peut régler la hauteur, enfin, la profondeur du casque avec laquelle il va s'enfiler sur la tête avec un lacet ici. Une fois que c'est réglé, ça bouge plus. Et après, on a juste à passer sa tête dans le casque. Le scratcher derrière, et donc le fait que ce soit pas une sangle qui passe sous le menton, ça permet d'avoir un bloc vraiment solide ici qui va pouvoir venir amortir des coups de coude remontant si on les met à l'entraînement comme j'ai fait avec Samia, comme vous venez de voir. Et après voilà, donc là bon, il y a des gros renforts sur les pommettes. Alors ça c'est pareil, ça masque quand même pas mal la vue, ça peut gêner un petit peu, mais ça permet vraiment une bonne protection par rapport à ce qu'on peut avoir sur des casques sans cette partie-là. Et c'est pas non plus aussi gênant que les casques qui ont une vraie barre qui fait tout le visage, bon, qui protège vraiment très bien, mais qui pour le coup là sont encore plus gênants. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce casque-là, qui est vraiment bien foutu. Hein. Globalement, on a quelques casques nous à l'entraînement et j'ai trouvé celui-là vraiment bien pour le sparring et pour s'entraîner à la salle. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine vidéo.